cavalier de pointe en obstacle sont en forme et ils ne se sont pas privés de le montrer à l'occasion des grands rendez-vous de septembre. A commencer par le concours de l'Anaken, ce week-end dédié au championnat du monde des jeunes chevaux, mais pas seulement. Il y avait également l'épreuve des Sayers of the World, réservée aux étalons. Épreuve remportée l'année passée par Jérôme Guéry avec Alicante, et en 2017, le cavalier namurois a décidé de remettre ça avec Jupiter cette fois. Les Sayers ici à Zingersee, c'est vraiment quelque chose de spécial. Zingersee, c'est la Mecque de l'élevage. C'est vraiment ici que tout se passe. On a la chance d'avoir la famille Melchior qui nous organise quelque chose d'incroyable. On sait que la Belgique est un pays d'élevage. Et les gens viennent ici pour voir les étalons qu'ils vont utiliser dans le futur. Donc c'est sûr que faire une bonne prestation ici, c'est toujours très important et c'est représentatif de l'élevage belge. J'ai toujours point d'honneur de venir ici et essayer de faire une belle prestation. L'année passée, c'est vrai, premier, troisième, c'était fantastique. Cette année, de nouveau gagné avec un autre cheval. C'est vrai que j'étais venu avec une idée plutôt de gagner avec Garfield, qui avait été troisième l'année passée. Malheureusement, il a fait un petit 4 points. Jupiter, c'est un cheval que je viens d'avoir dans mon écurie depuis un petit mois et demi que Tal Minstein m'a confié. Voilà, je ne pensais pas venir ici avec lui gagner, je voulais vraiment lui donner un peu d'expérience et voir comment il réagissait sur une épreuve d'un mètre 50 d'un bon niveau. Je passais premier du barrage, je savais qu'il y avait quelques derrière. Bon, je me suis dit je vais essayer devant son public et de façon qu'on est ici, c'est un peu dans mon tempérament aussi d'essayer de faire une victoire. Le cheval a très très bien répondu, il a beaucoup de qualité et voilà, je suis très très content de comment il s'est comporté. Autre moment attendu à l'Anaken, les championnats de Belgique. Sacré en 2013, Grégory Watley espérait coiffer une deuxième couronne en s'alignant avec Nevados, champion du monde dès 7 ans l'année passée. Mais avec les meilleurs cavaliers présents, la concurrence était rude. Grégory, en lice pour le titre jusqu'au dernier parcours, ne montera finalement pas plus haut que la troisième marche du podium cette année, devancé finalement par Jos Verloy et Nicolas Philippart. Pour nos deux champions, l'Anaken était en tout cas une bonne mise en jambe avant l'un des grands rendez-vous de l'année, la finale de la Coupe des Nations à Barcelone. Les deux cavaliers de la LEWB retrouvaient là leurs coéquipiers des championnats d'Europe à Göteborg, Nils Brunsels et Peter De Vos. Sur la piste du Real Polo Club de Barcelone, nos quatre cavaliers allaient devoir d'abord passer l'écueil de la première manche. Seules les 8 meilleures équipes sur les 16 présentes allaient en effet avoir le droit de participer à la manche finale. Qualifiés en 6e position, les Belges pouvaient prétendre au titre le samedi soir puisque les compteurs étaient remis à zéro. Première à s'élancer, Peter De Vos avec espoir. Un peu malchanceux avec une faute sur le premier et le dernier obstacle, il ressortira avec 8 points. Ce week-end, Espoir était un tout petit peu moins en forme. Au championnat d'Europe, c'était le meilleur cheval. Ici, il était un tout petit peu moins en forme. Donc c'est sûr, après son premier tour, on avait 8 points. On savait derrière qu'on n'avait plus le droit à l'erreur, que notre moins bon score était passé. Auteur d'un superbe parcours malgré une grosse frayeur, Nils Brunsels s'en sortira avec 4 points. Après Nils qui n'a pas eu de chance, qui son cheval a malheureusement pris le pied dans la martingale et fait une faute. On a dû enchaîner les bons résultats, mais bon, là, c'est encore prouvé aujourd'hui que la Belgique a 4 cavaliers forts qui permettent de retourner aussi une situation un peu moins bien partie. C'était alors au tour de Jérôme Guéry de s'élancer avec Grand Cru Van der Rosenberg. Pour revendiquer encore une place parmi les premiers, le sans faute s'imposait. Sans faute décroché avec la manière pour le couple au sommet de son art lors de cette manche finale. Les actions de la Belgique remontaient alors en flèche et Grégory Watley entendait bien rester sur la même voie avec Corée. J'ai vraiment enchaîné par un super parcours et moi j'ai essayé de terminer le travail. Greg a été encore une fois formidable. Le premier tour, il devait absolument faire un sans faute, il tire le sans faute. Ici, il devait tirer un sans faute, il tire encore un sans faute. Voilà, on sait que voilà, Greg reste le pilier et que quand il passe en dernier, on peut compter sur lui. Donc voilà, c'était vraiment une Coupe des Nations comme on les aime bien, avec beaucoup de rebondissements et beaucoup d'enjeux. Je crois que le public et tout le monde a apprécié à regarder.
Quand on est en équipe, je vois vraiment un résultat général, un résultat d'équipe. J'aime pas trop retirer des résultats individuels. J'aime bien dire qu'on a terminé troisième. Maintenant, c'est sûr que dans ce cas-ci, j'ai pu aider l'équipe, j'ai fait un double sans faute. Voilà, Corée, bon, moi, elle n'a plus à me prouver ce qu'elle vaut. Je sais qu'elle fait partie des meilleurs chevaux sur le circuit. Elle est comme elle est, elle a son caractère, son tempérament, mais à tout moment, elle peut sortir sans faute de n'importe quel parcours. Elle l'a montré avec sa chapelle et elle vient de le montrer encore ici avec deux parcours différents dans un autre contexte qu'avec sa chapelle. Et donc voilà, elle fait partie des piliers. Et voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, ce que je veux mettre en avant, c'est pas moi, mais c'est surtout le résultat collectif. On est 5 potes et on est tous ensemble. On s'entraide, on se donne des conseils. On se connaît aussi très bien, donc on connaît les qualités et les défauts de chacun, des chevaux aussi. Entre chaque parcours, on parle beaucoup. Donc c'est sûr que tout ça aide à faire une belle performance. Donc là, je pense qu'on peut être satisfait du résultat. Évidemment, on veut toujours plus. On finit troisième juste pour le temps, sinon on était deuxième. C'est une très, très belle, un très, très beau résultat. Et là, on va aller fêter tous ensemble. Equitv vous a été présenté en partenariat avec Horseware.